La toile imprime la qualité vibratoire du peintre, car l'artiste est une antenne qui émet sa propre fréquence. Elle résonne alors dans les formes et les couleurs de l'œuvre. L'interaction entre le peintre et sa toile s'exprime de manière tangible, mais aussi de façon plus subtile. Les lois de résonance et d'harmonie de l'univers sont à l'œuvre dans le processus créatif. Nos cerveaux remplis de concepts limitants ferment l'accès à la porte de tous les mystères. Je laisse donc surgir de mes pinceaux le mouvement du monde sans en contrarier sa trajectoire. La conscience, alors libérée du mental, me montre les infinités d'univers qui existent déjà dans la vastitude de la création. Et de mes voyages en apesanteur apparaissent des mondes où toute question cesse sur leur réalité. Libérée de l'espace tridimensionnel, j'ai une perception visuelle décuplée, qui m'offre des visions que notre logique humaine ne peut concevoir. Je peins alors emportée par le flot d'informations qui guide ma main. Elle vient des sources lumineuses de notre univers et me propose des perspectives infinies, des instants étincelants, de somptueuses parcelles galactiques. Je suis en balade au milieu de mondes minuscules et gigantesques en même temps.
Cette série de 7 vidéos sur les peintures médiumniques est maintenant terminée, mais je suis née peintre et reste infailliblement enchaînée à la création. Je vous invite donc à continuer de me suivre pour découvrir ce que le langage universel du monde m'a demandé de vous partager. À bientôt !